Silva! Oh, mais je suis contente de te voir, tu sais. Et moi, je suis heureuse de te voir aussi. Et ben voilà, mais je suis surtout heureuse de que tu as retrouvé ton sourire. Ah ouais, ça, c'est très important. Ouais, ça y est, c'est fait. Bonjour les chéris. Et je retrouve les chéris. Et ben voilà. Bon. Et vous, les chéris, vous retrouvez Ambre. Bon, ok, je suis pas à 100% top, j'avoue. Mais ouais, bon, ça va déjà beaucoup mieux. Depuis le jour qu'elle est venue me rejoindre à Chalon-sur-Saône, et aujourd'hui, purée, mais quelle différence. Ouais, mais d'abord j'avais besoin d'être seule. Oui. Mais oui. Bon, ma grande sœur avait des problèmes, comme depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'avril, Chris a des problèmes depuis le mois d'avril. Eh ben, on va en fonction du vent des problèmes de Christa. Et on essaye de régler le problème au fur et à mesure, quoi. Mais quand on a terminé avec un problème, il y a l'autre qui va. Bon, j'ai fait une pause dans mon puits. Hein. Ouais. J'étais bien profond dans mon puits. Il y a quelqu'un. Elle a grimpé. Non, mais j'ai fait une pause dans mon puits et puis maintenant... Je ressors du puits, mais je reste au bord de l'eau. Regardez comme c'est beau là. C'est magnifique. Alors en fait, il y a toute une colonie de cygnes. Je les ai comptés, il y a environ une centaine. Je n'ai jamais vu autant de cygnes à un seul endroit rassemblé. En plus, là, on a des cygnes et puis derrière, il y a les bateaux qui passent. Parce que nous sommes, on le dit ou on ne le dit pas. On est dans un endroit très particulier. Hein. Ouais. On est sur une île. Oui. Déjà. Entre la France et l'Allemagne. Alors, vous savez où elle est, l'île? Ouais. Ben, on est, pour ceux qui ont suivi les vidéos, nous sommes toujours dans la commune de Fessenheim. Eh oui. Voilà. Derrière nous, c'est la centrale. Donc, en fait, nous sommes ici, c'est le Grand Canal d'Alsace. Oui, voilà, le Grand Canal d'Alsace. Et de l'autre côté, on a un petit ruisseau. Mais tout petit, hein. Voilà, ça s'appelle le Rhin. Ici, il est tout petit, mais allez voir plus loin au nord, il devient plus grand. N'empêche qu'il est actif, hein. il va vite. Hein. Ouais. Alors nous, on est sur une île, là on est toutes seules, mais vraiment on est seules. Ah non, il y a une centaine de signes là. Ouais, mais leur conversation, j'ai un peu du mal avec le langage signe. Leur conversation, c'est un peu limité. En plus, la plupart du temps, ils ont la tête sous l'eau. Puis, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas très motivée à apprendre le langage signe. À part les signes? Non, l'anglais, l'espagnol. À part les signes? Ouais. Non, ça, c'est bon. Les signes. Tu sais, moi, je connais les signes de mon chat. Mon chat, il me fait comme ça. Quand il a faim, c'est bon, quoi. Purée, elle ne prononce pas un mot. Mais qu'est-ce qu'elle est pipelette, cette Cassie. Oh oui, alors. Elle nous regarde en plus. Alors, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Chrissa a continué un peu les vidéos. Il y a eu plein de choses. Vous étiez prévenus, je vous avais dit que moi je suis beaucoup moins assidu qu'Ambre, donc je fais beaucoup moins de vidéos. Vous avez une ou deux ou trois peut-être, je sais pas, mais bon. Non, mais c'est vrai que bon, mais t'aimes bien quand même faire des vidéos. Oui. T'aimes Sauf bien. Que moi j'ai pas le même style qu'Ambre, parce que je prends mon téléphone, je fais des petites vidéos courtes, 5-6 minutes, et je mets directement en ligne sans modifier, sans quoi que ce soit. Ambre, c'est notre passionnée. Non. Si. Parce qu'elle passe des heures et des heures et des heures sur son ordinateur pour faire le montage, pour ajouter de la musique, pour faire ça. Et bien, vous voyez les résultats, il est toujours super. Ouais, j'essaie. Voilà. J'essaie. Si. Ça va, je suis contente, je me suis améliorée avec le son, déjà. On y travaille fortement. Vous voyez ce micro minuscule là. L'avantage, c'est qu'il y a un fil de... Attendez, je vais vous montrer. Regardez, je peux aller encore plus loin. Encore plus... Non, j'y vais pas plus loin parce que sinon je tombe dans l'eau. Voilà, vous voyez, c'est nickel ça. Hop, je reviens. Voilà. Non, mais le son, c'est fondamental. Ouais. Bon, maintenant, on est toutes les deux. Non, on est quatre. Non, on est six avec Fancy Coquelicot. Là, je m'explique parce que Cassie va peut-être remarquer sa propriété sur le trépied. Non, ça va. Ma Cassie, tu vas pas frotter le trépied, merci.
Ouais, parce que sinon, non. Oui, Domino, surveille-la, s'il te plaît. Tremblement de merci, terre. Merci, Domino, de la surveiller. Merci, Domino, t'as fait ton job. Vraiment, t'es trop mignon. Voilà. Bon, tu voulais dire quelque chose. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, ça y est, je suis de retour, quoi. Hein. Ouais. Voilà, je suis en Alsace. Bon, voilà, je reste avec ma Chrissa parce que bah, c'est encore... Je n'ai pas réussi à me débarrasser. Non, mais c'est vrai que Chrissa, elle cumule, depuis avril, elle cumule les problèmes techniques. En plus, ouais. Ouais. Depuis avril, vous êtes surpris des endroits où on se stationne. Mais il faut bien, on le dit, on le redit, mais on se stationne au plus pratique, oui. Au mieux. Oui. Parce que, bon, Chrissa, elle a des emmerdes, mais de techniques depuis avril. Mm. Depuis avril, on roule en fonction de Chrissa. Moi, je reste avec elle. Il y en a des fois qui sont surpris que je reste avec elle. Mais bon, on est une équipe. Oui, je resterai avec elle. Même si on doit rester un mois en Alsace, bah tant pis. Bon, là, normalement, ça va se finaliser. Normalement, ça va se finaliser. Voilà. Parce demain, que demain, jeudi, oui, jeudi. Demain. Donc, vendredi, demain matin, 8h, j'ai rendez-vous chez un garagiste dans un village juste à côté, à 10 minutes d'ici. Près de Fessenheim, si vous connaissez. Ouais. Ou Nem. Fessenheim, à la française. On est en France, on doit le dire à la française. Fessenheim. D'accord. Bon, alors, comment tu prononces le bled où je vais pour... Blodesheim. Blodesheim. Alors, donc, l'étrangère, pardon, l'étrangère, je garantis que c'est moi. Parce que j'ai passé des coups de téléphone, enfin bon, j'en ai profité d'être bloqué pour passer des coups de téléphone, parce que bon, il y a plein de choses à régler quand même, pour ma vie quand même, oui, même si pour l'instant là. Donc, j'ai passé des coups de téléphone en Alsace, je garantis que je me suis fait accueillir en étrangère. Hein. Là, c'est l'allemande qui est bien chez elle, quoi. Que moi, avec mon accent allemand, oui. C'est exactement le même accent qu'ici. Ouais. Voilà, quoi. Mais bon, les Alsaciens sont quand même sympas, très sympas. Ouais, très accueillants. Je les ai trouvés même rigolos. Ils sont assez marrants. Ouais, ils sont rigolos. Assez marrant, ouais, ouais. Assez marrant. Ouais, ouais, je connaissais Colmar, ouais. Strasbourg, tout ça, je connaissais. Mais c'est vrai qu'encore une fois, en nomade, on ne voit pas les mêmes personnes. On ne voit pas les mêmes gens, on ne voit pas les mêmes choses. Même dans les commerces, hein. Même dans les commerces, on ne voit pas les choses pareilles, disons, comme ouais, ça. Ouais, 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 tout les à fait. Pareilles. Et même dans les commerces, les gens sont sympas. Ouais, hein. Ouais, ouais, ça ouais, non, vraiment bien. Et sinon, ben, là, c'est surtout toi qui dois parler, non? Oui, non, ouais. En fait, vous vous souvenez que j'ai passé le contrôle technique à Chalon-sur-Saône? Avec cette histoire de contre-visite que j'avais déjà payé, j'avais pris une option contre-visite, mais finalement, le seul devis que j'avais, 630 euros, c'est non. Ah, oui. Donc du coup, ben, on s'est avancé un peu direction Allemagne, et là j'ai trouvé un garagiste à 5 km d'ici, qui me fait exactement ce qu'il faut, et pas un truc de plus pour même pas 200 euros, vous voyez ? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc demain matin, j'ai rendez-vous chez lui. Voilà. Il m'a promis que demain midi, c'est terminé. Et lundi après-midi, à Fessenheim même, il y a un contrôle technique. Donc j'ai réservé pour la contre-visite. Donc ça va être réglé. Donc normalement, le lundi 8 après-midi, oui, nous allons pouvoir partir. Ouais. Cependant, nous restons le long du Rhin. On continue le long de cette toute petite rivière. Le petit ruisseau, là. Non, je dis ça parce que vraiment, le Rhin est impressionnant. Ouais. On l'a traversé, on l'a suivi un peu et tout. Et c'est vraiment un fleuve impressionnant qui est magnifique. Mmh. En plus, là, on est dans une zone protégée. Oui. Donc, la nature reprend ses droits. Mmh. Il y a plein d'animaux. Mmh. Il y a une végétation magnifique. C'est vrai que c'est très, très beau. Et le Rhin, je trouve impressionnant. Il est impressionnant, pas par sa largeur ici, mais par la vitesse de l'eau. On sent sa force, quoi. Voilà. On sent la force de ce fleuve. Si vous connaissez le Rhin côté Cologne ou un peu plus au nord, c'est un gros pépère qui coule tout doucement. Puis il est plus large ici, aussi, ouais. Ici, il est plus large aussi. Beaucoup plus large. Ici, c'est encore un jeune garçon qui a toute sa force pour courir. Il a le peps, là. Là, il nous fait un sprint, là, en force, quoi. Pour aller vite. Donc, on va rester un peu le long du Rhin. On va rester un peu, ouais. Parce que du coup, on en a, comme on est très en France, bloqué et tout ça,
Et puis là, on a eu l'idée de. Je sais même plus. Oui, c'est toi qui as eu l'idée. Enfin bon, peu importe. Peu importe. Et on va rester le long du Rhin parce que du coup, on se fait livrer des choses. Oui. Oui, et là aussi, purée. Mais quelle histoire, bon. Quelle histoire. Alors, avec l'Allemagne, ça risque d'être compliqué pour se faire livrer des colis. Oui. Des lettres, oui. Non. Mais des, oui, colis, des colis, ça risque d'être un peu compliqué. Des colis pour se faire livrer en Allemagne un, ouais, colis, c'est assez compliqué. Pour la simple raison, c'est pas comme en France, parce qu'en France, c'est la poste. Voilà. En Allemagne, c'est séparé courrier et colis. C'est-à-dire, la poste, comme elle-même, n'existe plus. C'est privatisé, donc vous n'avez très peu de bureaux, de vrais bureaux de poste comme nous, qu'on est en France. Ça existe encore, mais il n'y a pas beaucoup. Donc vous avez des petites agences postales, mais vous avez un petit guichet au fond d'un magasin, au fond d'une boutique, au fond de n'importe quelle boutique, vous avez un guichet qui fait office de bureau de poste. Et ensuite, pour se faire livrer un colis, il faut passer par le transporteur officiel DHL. Sauf que pour se faire livrer un colis, il faut créer un compte. Pour créer ce compte, j'ai passé une journée entière rien que pour créer un compte. Parce qu'il faut un numéro de poste. Et ça, c'est un numéro personnel qui vous est attribué. Quand vous créez un compte sans ce numéro, vous ne pouvez pas recevoir un colis. Donc, on a abandonné, on a trouvé une autre solution. Ambre, ouais, elle a passé une commande, elle a besoin d'une machine. Voilà, peu importe, j'en parlerai peut-être après. Et donc, comme c'est important, ouais, et puis en plus, on veut absolument les filtres pour nos bouteilles de gaz. Oui. Donc, on, oui, va rester, oui, près de la France. Ouais. On va remonter jusqu'à Haguenau. Ouais. On a mis en poste restante à Haguenau. Au nord de Strasbourg. Oui, ouais, voilà, c'est un peu au nord de Strasbourg. Ouais. Ouais. Mais en attendant, on va rester du côté allemand. Ouais. On va passer du côté allemand, on va faire. Nous aller retour, on verra bien comment, voilà, faire. Voilà. Voilà. En gros, c'est ça, tout, ouais, ce qui se passe. Ouais. Et puis, j'ai passé une autre commande il y a quelques jours déjà pour me faire livrer en poste restante, ah, oui, un colis au bureau de poste à Fessenheim, donc en France. J'ai passé la commande, parfait, tout va bien. Et puis, je reçois le message 2 jours plus tard comme quoi le colis était livré. Donc, ça fait une semaine, c'était jeudi dernier. Je reçois le message. Le colis a été livré jeudi 28, il me semble, je ne sais plus, à 11h16 au bureau de poste de Fessenheim. Bon, moi, j'attends un jour. Vendredi, je vais au bureau de poste. Pas de colis. Pas de trace, pas une trace de colis. Mmh. La dame, elle a cherché partout. Elle a même appelé sa collègue qui était là le matin, la veille. Pas de trace de colis. Donc, j'ai essayé de contacter le service après-vente. C'est moncampingcar.com. Moncampingcar.com. Non, je dis exprès, vous allez comprendre, oui, pourquoi. Hein. Donc, j'ai réussi à joindre le service client, le SAV. Ils m'ont dit non, le colis était livré. J'ai dit non, le colis n'est pas livré. Le colis, il est nulle part. Donc, j'ai contacté aussi TNT, le transporteur. Alors, excusez-moi, je fais un temps mort parce que je vous promets que ce qu'elle vous raconte, c'est pas une légende urbaine, ouais, c'est pas un mythe, c'est pas un conte. C'est la réalité, c'est la pure réalité. C'est vraiment la réalité. Voilà. Non, mais cramponnez-vous. C'est, voilà. Donc, je contacte. J'ai envoyé un mail au transporteur TNT pour savoir, est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'il est le colis. Donc, ils m'ont répondu 2 jours plus tard, très sympa. Et j'ai été contactée par téléphone et une dame, j'ai encore réexpliqué mon problème, voilà, elle m'a dit, mais écoutez, on ne sait pas trop où est-ce qu'il est le colis, on va faire des recherches, je vous rappelle. Jusque-là, tout va bien. Entre-temps, on était mardi, voilà. Le SAV de moncampingcar.com, impossible de joindre, mais vraiment impossible, où ça sonne occupé en permanence. Où il y a un message, vous savez, la voix ordinateur, la voix artificielle qui vous dit « Nous sommes ouverts de telle heure à telle heure, merci d'appeler pendant… » Tiens. Là, c'est un petit, ouais, hein. Là, c'est un petit, là, ouais. C'est un allemand, il a le drapeau allemand derrière. Donc, où c'est occupé, où il y a la voix qui vous dit « Nous sommes ouverts de telle heure à telle heure, donc merci d'appeler pendant 2 heures d'ouverture. » Ils me disent « Si on est ouvert jusqu'à 18h, j'appelle à 17h30, selon vous, c'est dans les heures de travail ou non ?» Il me semble bien que oui. Donc, 4 jours, impossible de le joindre. Moncampingcar.com. Moncampingcar.com. Franchement, c'est… voilà.
Et la seule fois où j'ai réussi à les avoir, ah oui, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas, mais je dis, mais écoutez, j'aurais bien aimé passer une deuxième commande chez vous, mais je veux d'abord savoir où est-ce qu'il est mon colis. Hein? Je ne vais pas commander autre chose tant que je n'ai pas reçu le premier. Et est-ce que vous faites un geste? Ah non, on ne peut pas faire un geste, il faut d'abord vous commander, et ensuite, nous, on va s'adresser au transporteur, et si eux, ils font un geste, on va vous rembourser. Okay. Non, non, mais c'est hein? La réalité, voilà. Hein, c'est la réalité, ouais, ouais. Donc, hier, j'ai été recontactée par la jeune fille, Émilie, elle s'appelle Adorable, de TNT, le transporteur. Elle m'a dit, je suis désolée, nous ne savons toujours pas où est votre colis et ne pouvons pas contacter le livreur parce qu'il ne fait plus partie de notre entreprise. Non, mais vous vous rendez compte? Voilà. Ça veut dire que le mec, en fait, il a pris tous les colis qu'il devait livrer dans son camionnette, je ne sais pas quoi. Il ne les a jamais livrés. Le jour même de la livraison, le mec, il ne fait plus partie des employés. Donc, voilà. Les colis, ben voilà, disparu. Ils ont pouf, disparu. Disparu, mon colis, qui est déjà payé. Je vous signale qu'il est déjà payé, parce que j'ai payé quand même, c'était combien, dans les 40 euros, ou quelque chose comme ça, ou ouais, peut-être même comme plus, ça, ou ouais, quelque chose comme bon. Ça. Voilà. Mais c'est dingue, hein, le truc, mais improbable, alors, l'employé qui n'est plus employé le jour même où elle reçoit son colis officiellement, quoi, voilà. Et ensuite, il y a quelque part dans le dossier, c'est marqué, c'est fermé. À 11h16, premièrement à 11h16, le bureau de poste n'est pas fermé. Hein? Voilà. J'ai eu une deuxième remarque me disant de transporteur. Ah ben nous, c'est normal, nous on ne livre pas à la poste parce que c'est notre concurrent. Non mais... Oui mais moi je ne le sais pas moi. Et puis même si je le savais, ce n'est pas mon problème, je m'en fiche. Moi, pas PDG de la poste. je demandais une livraison en poste restante. Non, mais c'est... Ah non, on ne livre pas à la poste, c'est nos concurrents. Alors, là, franchement, et aujourd'hui, là, on est jeudi, j'ai toujours pas rien. De nouvelles. Et je vous signale quand même rien du tout. Que toutes les deux, on s'est fait livrer plein de choses, un courrier ou colis au Portugal, on s'est fait livrer en Espagne. En Autriche. On n'a pas eu de problème. Jamais. En Autriche, en Allemagne, on n'a pas eu de problème non plus. Putain, on revient en France... Et là, on a des trucs, franchement, c'est pas partout en France. C'est pas partout, mais c'est pas tout le temps, heureusement. Ah, mais franchement, alors déjà qu'on a du mal à rester en France, alors là, ça motive encore moins à rester, quoi. Vraiment, vraiment. Hein. Ah là bon, là. Par contre, je voulais vous dire aussi autre chose. On a eu complètement, je change complètement de sujet. Qu'est-ce que tu veux nous dire, ma chérie? Il y avait plusieurs commentaires sur Ambre. Je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo. Deux personnes différentes ont dit que Ambre est dépressive parce qu'elle n'est pas faite pour la vie nomade. Ah. Non mais vous n'avez pas d'autres idées en tête, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Moi, je vous affirme le contraire. Ambre et moi, on se connaît. Depuis 14 ans. Ma chérie. Avant de partir en camping-car, on a déjà voyagé ensemble. On a fait plusieurs fois, on a passé des vacances ensemble à l'île d'Oléron. Ouais. On était en Andorre. Dans sa voiture décapotable, elle avait une voiture décapotable, une vieille voiture décapotable. Je ne peux pas vous dire quoi, ce que c'était. C'était une Chrysler Le Baron. Voilà. Décapotable. Dans sa voiture décapotable, on est parti comme ça. Les reines du monde. Ah ouais, non, mais... Les cougars. Oui. Oui, plutôt oui. Les cougars. Et oui, on a été coquines, oui. Voilà. Oui. Donc, je vous l'ai dit, je vous le répète et je vous l'affirme, plus qu'elle voyage, plus elle est heureuse. Hein? Le seul fait entre Chalon-sur-Saône, il y a deux abonnés, il y a des abonnés qui sont venus nous voir à Chalon-sur-Saône. Peuvent les confirmer dans l'état où elle était à Chalon-sur-Saône et dans l'état qu'elle est aujourd'hui par le simple fait on a fait combien, on a fait 500 km on a roulé 2 ou 3 jours et c'est tout. Elle est la plus heureuse du monde là maintenant. J'en veux encore. Non mais sans déconner. Non, là franchement excusez-moi mais vous êtes complètement à côté de la plaque là. Non, là c'est clair, net. Non. Si je voulais, je pourrais rester sédentaire. Non.
Non, non, la route, c'est mon bonheur. Les emmerdes que j'ai eues, tout ce que j'ai, ça n'a strictement mais rien à voir avec le fait d'être nomade, c'est hors sujet. Parce qu'elle a eu exactement les mêmes emmerdes en maison. Ça n'a strictement rien à voir avec la vie nomade, c'est franchement... Non, c'est complètement hors sujet. Non, au contraire, de reprendre la route, ça fait je ne la prends pas beaucoup, parce que bon, j'attends pour Christa et toi. Oui, je pourrais partir. Là, c'est la même chose, quoi. Ouais. Oui, je pourrais partir. Oui. Plus rien ne me retient. Non. Si, ton collier à genoux. Oui, mais parce que j'ai mis un colis, parce que bon... Mais voilà, façon, parce que je savais qu'on était bloqué. Il va arriver le 15 ou le 16, quelque chose comme ça. À chaque fois... c'est bizarre cette réaction, mais non, on s'abandonne pas, quoi. On est tout le temps les deux. Non. Quand je suis partie d'Antequera, ça a été très très difficile, très compliqué. Chrissa est restée bloquée alors que Chrissa voulait venir avec moi. Ouais. Elle voulait vivre ce moment avec moi. Ouais. Moi, je voulais rester avec elle parce que je voulais pas la laisser toute seule. Pour se soutenir mutuellement. Parce qu'on se soutient, parce que bon, après, c'est vrai que j'ai eu besoin d'être dans mon puits un petit peu seule, parce qu'elle, elle avait déjà assez d'emmerdes comme ça. Donc moi, je suis restée seule du côté de Jons, d'ailleurs. J'ai pas fait de vidéo, j'ai rien fait, etc. De toute façon, t'étais sous la pluie pendant une semaine. Ça marche là. Déjà, quand on n'est pas bien dans sa tête, et en plus, il pleut une semaine, il tombe des je sais pas, des trompes d'eau, là. À Saint-Marcelin, À Saint-Marcelin, vous pouvez même pas sortir. Purée, ça n'arrange pas les choses. Après, à Jons, c'est à l'ouest de Lyon. Là, non, il a fait vraiment très beau. Ouais. Et en tout cas, je peux dire une chose, c'est que je rêvais que d'une chose, c'est d'être seule. J'avais envie d'être seule au monde, hein, au fond de mon puits. Et quand on est nomade, c'est compliqué de rester seule. C'est compliqué. Parce que je suis tombée encore sur des gens qui ne me connaissent pas, bien évidemment, hein, comme d'habitude, et qui ont été vraiment adorables, alors que j'avais envie d'être seule. Et c'est vrai que du coup, je suis partie, je suis allée à Chalon, retrouver ma Chrissa avec ses emmerdes, comme voilà. Ça va être bientôt fini et après on arrive. Mais quelles que soient les emmerdes, on reste ensemble. Alors n'essayez pas, à chaque fois, il y en a certains. Non, je ne vais pas redevenir sédentaire. Non, et on ne s'abandonne pas. Tu as fait une vidéo sur les joies de la vie sédentaire. Heureusement, la majorité de chéris ont compris que c'était une exagération. Avec Chrissa, on est tout le temps en train de parler de la vie de nomade. Ouais. On vous influence beaucoup. Ouais. Et là, cette fois-ci, j'ai fait l'antithèse complète en sortant des gros machins de la vie sédentaire qui était géniale etc. Mais vous n'avez pas le sens de l'humour. Il y en a certains qui n'ont pas le sens de l'humour. Certains qui l'ont vraiment pris au sérieux. Non, surtout pas. Il n'y avait aucun rapport avec l'argent et tout. Non. Le fait de faire partie d'un club. Après, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a certains abonnés qui ont exagéré les trucs. Grand chéri. Ouais, avec la piscine et l'hélico et je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, c'est dommage. Bon, de toute façon, tout le monde ne peut pas comprendre. Puis je ne suis pas une humoriste. Puis même les humoristes, ils ne sont pas compris tout le monde. Non. Bon, alors moi, je n'ai pas du tout la prétention d'être une humoriste. Mais bon, il fallait qu'il y ait certains qui n'aient pas compris. Ce n'est pas grave du tout. Il y a beaucoup de parce que c'est vrai qu'on influence beaucoup. Et je trouvais ça aussi honnête, quelque part, de faire une vidéo. Parce qu'il n'y a pas que des avantages. Oui, puis il n'y a pas que des problèmes à être sédentaire. Il y a des avantages aussi. On rencontre des gens qui ne veulent pas changer leur vie. Là, dernièrement, on a rencontré un couple. Bon, elle ne veut pas quitter sa vie de sédentaire. Elle a ses arguments. Bon, beaucoup sont dans ma vidéo, d'ailleurs. Sont les mêmes que dans ma vidéo. Ouais. Lui, il a envie de voyager. Bon, voilà, hein, chacun... Mais ça, il faut qu'ils s'arrangent entre eux. Hein. Là, ouais, on peut pas voilà. intervenir, nous. Hein. Même, à un moment donné, lui, il m'a posé la question, mais Chrissa, qu'est-ce que tu fais? Mais là, désolé, je ne réponds pas. Prendre parti pour l'un ou pour l'autre, non, c'est pas possible. Je n'interviens pas. C'est votre problème de couple. Comme si nous, on pouvait trouver les solutions pour lui, pour elle. On n'a pas les solutions miracles, non. On n'a pas notre baguette magique pour. T'as pas de baguette magique? J'ai pas de baguette du coup. Regardez comme c'est beau. Ouais.
Et ça circule toute la journée, même jusqu'au tard de la nuit. Ouais. Hein. J'en ai vu encore passer à minuit. J'avais vu, je ne sais pas si tu étais encore debout, il avait un qui faisait la double longueur. Mais c'est pas un truc touristique, c'était un comme ça, mais qui était extrêmement long. Et je pense qu'il avait une remorque ou qu'il poussait ou qu'il tirait derrière lui, mais il était extrêmement long. J'en ai vu venir dans ce sens-là, c'était un truc touristique et il me semblait qu'il était extrêmement long. Oui, oui, dans mais la nuit, non. Et oui, parce qu'il n'y a pas d'éclairage, il n'y a rien. Il n'y a pas d'éclairage, hein. Là, on est vraiment au noir du noir. Hein. Si on voit un peu les à Fessenheim, parce que la centrale est juste derrière. Je ne sais pas derrière, si on vous met le spot, tellement c'est du sauvage. Hein. Et en plus, on est dans un endroit dangereux. Hein. Et en plus, on a des panneaux de partout parce qu'on risque de taper le crawl avec les camping-cars. Et on a fait un kilomètre de tout terrain pour arriver ici. Du tout terrain en première. En première. Donc voilà où est notre chez-nous actuellement. Voilà. Au niveau des projets, ça reste flou, très flou. On a une date en Allemagne, le 10 août, c'est 10 tout. Août, ouais. On vous en reparlera parce que j'espère que ça va être. Je pense que ça va être sympa. Oui. On vous en reparlera. La suite de l'Allemagne, on ne sait pas. Qui vivra verra. Voilà. On ne sait pas. Normalement, on a une autre date, le dernier week-end de septembre à Gmunden, à Traunsee. C'est Salzkammergut, donc c'est à côté de Salzbourg, juste en Autriche. On vous en parlera. Ça peut encore changer. Vous suivez notre vie, nos vies. Ça y est, vous pouvez recommencer. Vous pouvez recommencer un petit déjeuner là maintenant avec votre café. Attention, n'arrivez pas en retard au boulot, hein, parce qu'après, ça sera notre faute. Bon, en tout cas, je vais recommencer tenter. Du lundi au vendredi, les vidéos. Le week-end, hein? Non. Il nous faut notre repos à nous aussi. Hein? De rien, c'est vrai que c'est du boulot. C'est du boulot, C'est du boulot quand même. Qu'est-ce qu'on leur dit? T'as plus rien à dire? Rien. Tu veux leur dire autre chose? Non, tu voulais dire. Vous parler de domino? Non, rien du tout. Bon, allez. Elles sont parties se promener. Voilà. Allez, on vous laisse. Gros bisous. Ciao, ciao. À la prochaine.